Voilà Marvin, vous allez encore faire la ronde. Hein, je regarde, il y a... Voilà. Saint-Marc, on va essayer également de prendre quelques personnalités et parler en lingala parce que Batu Bele Bazako, la Barola Nabisona Kinshasa, il faut tout le bas quand même dans le Lara Yamboka. Tout ça dans Batu Bazalier Bele. Il y a même ma soeur ici, Lokange. Lokange, ça va? Oui, ça va, je fais grâce. En tout cas, aujourd'hui, ça te fait quoi? Comme on a. Nous autres, y a papa Étienne Tshisekedi, après deux ans, Batu Balobaki trop, Bogotika papa, Batu Nagati, Afrigo et tout, oubliant évidemment que Moutoussoua c'est Akoufi. Akoufi, nous sommes aussi des Africains, bien sûr. Il y a eu beaucoup de critiques dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on l'honore vraiment à sa juste valeur. Pour Nanga, d'abord, c'est un soulagement par rapport à la famille aussi, parce que c'est ça quand même lourd. Attendre longtemps comme ça pour enfin ramener quelqu'un à demeure en Ayasuka, ça me réjouit en fait. Mais quelque part, ça fait mal parce que vous êtes en train de revivre quelque chose. Oui, Tikali, longtemps, n'a causé là. Pas sur une zone sous le Koezan et Bandeli. Mais bon, vaut mieux la fin d'une chose qu'est le commencement. Dieu est bon, moi je dirais. Dieu vraiment est bon. Pour que ce jour arrive, moi je crois que la main de Dieu était quelque part pour la réalisation. Donc je bénis Dieu, le maître de temps et des circonstances, car dans le plan de Dieu, il fallait que Ezala Mukoloyo. Naba kalki la bato, Ezaka na tangwe le kaki, mais na kalki la nzambe, oyeba ki comment les choses vont arriver. Lui, il voulait que ça soit maintenant. Donc dans le sens où moi l'angoya bundi pour na peuple oyo. Naroti kate. Nous avons eu un moment où il y a 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 eu deux ans et quatre mois pour que Bakunda ait sa juste valeur. Amen. Je viens de dire justement que Dieu c'est le maître de temps et des circonstances. Dans le plan de l'homme, on ne pouvait pas savoir qu'un jour, Félix deviendrait président de la République. Vous voyez? Pour être Makamnou sous Ekweya. Imaginez-vous qu'à l'époque, quand vous avez papa Etienne, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Alors, nous avons dit que vous avez dit que vous avez dit que dans l'année 2019, Makambe Rosala Boepo, le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain, c'est un secret, c'est un plan de Dieu. Alors, ces maîtres de temps, lui, il savait. Comme lui, il savait. Nous avons dit que Etienne Tshisekedi, et sengeli to to kanisela ndenge nini pona bano ba roya sima bana ya lelo pe bino be ba mama bilenge il faut to kanisela Etienne Tshisekedi ndenge nini est-ce qu'il faut to lelaka to pe to kanisela penza na esengonyo so kolela eza normal po mutu bozala ki na boko mona eli susute mais esengo ezali pona musalo ya sali. Moussala Yassali est mon ami. De l'île Koloba, il faut qu'on tombe dans le niveau de Moussala Yassali. Papa Etienne Tshisekedi, ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas l'enterrer comme n'importe qui. On ne peut pas faire ces choses comme n'importe qui. Il faut qu'on tienne les siko et ben ami. Oui, tombe à mi poids à la peau. Nous avons des moutons tombolés. L'élévation ne vient pas des hommes. L'élévation vient de Dieu. Voilà pourquoi nous allons permettre Ezela Tango Oyo pour Makamunae aussi il est élevé et aussi ces choses doivent se passer vraiment très élevées à un niveau très élevé. Merci beaucoup. Nous allons pas Mbolavi. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes toujours là pour Média Plus Télévision. Nous allons interviewer, nous allons continuer à prendre tous ceux qui sont ici. Papa Sokoko Oko se présenter. Oui, Bisabiso, comment on est Kombo Nanga Alec. Naza kotinda un message particulier na mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors maloba ya papa ezalaki état de droit peuple d'abord peuple d'abord toile na sengo mingi na messe ya papa mais toza kosenga na eloko moko na mukonzi ya mboka na biso état de droit ndeka papa lobaki peuple d'abord asala lokola bato ya liboso bato ya kalabote ko salate donc bazoki lokola peuple wana lokola ennemi na ye ennemi donc bazaki lokola bangune ya peuple mais na mokonzi na biso ya sika Félix Tshisekedi Tshilombo to sengi na ye peuple d'abord abosa na peuple wana te oyo abundi bitumba pendant mbula ebele.
Donc, nana uchi koyo kayo au lobby na président Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. Et oui. Ligolobake, papa Étienne Tshisekedi avant à Koufa, ya ye mukanone zala kinde peuple. Peuple liboso. Donc papa litaki makasi mingi pour na peuple, peuple a sepela. Alors na mokonzi na biso Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc alandaka idéologie ya papa. Donc le peuple d'abord. Donc azala mongune ya peuple te. Donc est-ce que yo penza ndengoza boye lokolo lobi peuple d'abord? Est-ce que na makanisi na yo ndenge na yo ko salela, est-ce que ko soutenir penza président Félix Tshisekedi? Bien sûr, tu allez soutenir Makasi, ce n'est pas pour rien que tu bandi ko bunda bitumba ya namboka o bambula e belé. Alors bitumba yango pe to bundi yango to longi et tumba. Alors yango na zone kala malubawana le peuple d'abord. Donc azala mongune ya peuple te. Donc par exemple o ya mabé, ya landa ndakisa wana te, alanda ndakisa ya malam. D'accord. Oui. En tout cas, mais ndenge boyoki batata ba mama balobi le peuple d'abord. Le peuple d'abord, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, le peuple d'abord. Ndenge on a vu ça uchi koloba, le peuple d'abord. Donc moto abangi ça a été état de droit, donc justice ya mboka na biso et sala musala nango ezwa esika na yango. Donc ba fonctionnaire nyoso tout bana kelasi donc mboka mubimba. Tala ndenge nini ndenge azwi mboka donc bato ba lekaki liboso basiko bebisa ko bebisa ko bebisa batie désordre makasi na mboka wana. Alors avec moi na mboka Félix tozali na eliki ake makambo manso e kotambola malam. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Ndeko. Ndenge tolobi kaka, le peuple d'abord, le peuple d'abord. On continue, je suis avec Saint-Marc qui s'était éclipsé un tout petit peu, qui me rejoint. Ben là, j'étais allé dénicher un homme politique aussi. Il s'appelle Méthode Moulenda. Méthode, il va se mettre. Méthode, on vous a vu à Kinshasa. Ben là, curieusement, on vous voit aussi lors de cet hommage au Sphinx de l'Imété, le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Qu'on attend vraiment impatiemment à Kinshasa, là depuis évidemment. Vos impressions par rapport à ça fait 2 ans et 4 mois. Et aujourd'hui, papa Étienne, ça depuis rentre pas n'importe comment. Voilà. Ben, merci déjà de m'avoir accordé cette opportunité à vous deux. Donc ben, c'est déjà une grâce, c'est une bonne chose qui est arrivée. Et il y a un début d'une chose, dans chaque chose il y a une fin. Et cette fin, on l'attendait depuis un certain temps, parce que ça devenait vraiment pesant pour tout le monde, pour tous les hommes, pour tous les esprits de paix. Et je suis déjà là en tant que fils pour voir un papa africain, un papa panafricaniste qui a combattu pour les intérêts des Africains. Alors en ces jours, c'est un jour de joie et un jour d'au revoir, parce que je sais que cette semaine, la semaine qui va commencer, ça sera la dernière semaine de Papa Tshisekedi dans ces pays, dans cette ville où il a vécu, qu'il connaît super bien. Mais voilà, moi je tiens déjà à présenter mes condoléances, parce qu'on est toujours en deuil, hein. Du moment qu'on ne l'a pas enterré, on est toujours en deuil. C'est sans doute le deuil le plus long de l'histoire africaine. Je n'ai jamais vu un deuil aussi long. Et il fallait quand même en arriver. Moi j'espérais peut-être qu'il allait rentrer sur la terre de ses ancêtres, directement dans sa ville natale. Bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Pour le moment, il faut un hommage national. Ben, je ne pourrais pas être là sur place à Kinshasa pour des raisons évidentes. Vous savez que ce n'est pas facile, j'étais candidat aux élections sénatoriales. Et financièrement, c'est très pesant quand on n'est pas soutenu par un parti ou par des gens. Financièrement, c'est très pesant. Moi, je suis un simple employé en Europe, donc il faut que je revienne, me refaire encore une santé, comme toi, comme toi aussi, et pour rentrer. Et ça, c'est un message que j'en profite pour lancer à toute la diaspora. Donc on doit être assez conscient de ne pas trop rêver par rapport à tout ce qui se passe. Il n'y a pas de cadeaux en politique, il n'y a pas de cadeaux à Kinshasa, il n'y a pas de cadeaux qui attend quelqu'un. On n'invite pas quelqu'un pour une révolution, on n'envoie pas un billet, on n'invite pas quelqu'un, on ne vous paye pas l'hôtel. Il faudrait vous préparer. Quand vous partez, il faut savoir, il faut être conscient, il faut partir avec ses propres moyens. Et quand on échoue une fois, une première fois, il ne faut pas se décourager. Il faut revenir, rechercher l'argent, rechercher des fonds, organiser sa famille et puis repartir. Comme je le dis toujours, notre jour viendra, tôt ou tard. Okay, voilà. Alors un petit message aux Kinois. Par rapport à, je crois que c'est le 29 que le vol va décoller, et c'est le 30 à 8h du matin que le corps de papa Étienne Tshisekedi sera à Kinshasa. Qu'est-ce que tu peux dire aux Kinois et aux Congolais qui attendent évidemment cet événement là-bas? Ben, je dirais en Lingala, Basalara Ningizalara.
ne baza o sala kaka bo sala ka ndenge sala ka ndenge bozalai ko sala kaka. Merci en tout cas méthode Moulenda pour votre passage. Au passage, j'espère encore te voir pour d'autres projets. J'ai vu le projet que vous avez lancé à Kinshasa avec la chanson écrite par le président Mike Kalambaye. Ouais, ouais, le président et Mike Kalambaye. Voilà. Merci en tout cas. On va en parler, on va en parler. Voilà, Marvin, le monde ne cesse d'arriver ici. L'église là, elle est maintenant trop petite. Il y a des gens qui arrivent. Est-ce que tu crois que ceux qui sont en train d'arriver, sincèrement, ils ont un message à passer aujourd'hui? Ben, je pense qu'il y a un message à passer parce que, tu sais, tout à l'heure, j'ai eu une pensée quand nous avons, avec nos prédécesseurs qui étaient en train de nous dire que Étienne Tshisekedi, 2 ans, il fallait attendre parce que c'était tout un combat. Et je me rends compte qu'il y a toute une signification après ces 2 ans. Parce que le combat d'Étienne Tshisekedi n'a jamais été facile. Il n'a jamais été facile. Et rien qu'à voir comment est-ce qu'il est décédé, il a dû attendre encore 2 ans. Voilà. C'est dire que c'était vraiment un bâton. C'était un bâton et tout ce peuple qui arrive vient ici pour témoigner leur amour à Étienne Tshisekedi. Ça a été un combat qui n'est pas encore peut-être terminé, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faudra soutenir le président en exercice actuellement, qui n'est autre que Félix Tshisekedi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a bâti, le père a déjà bâti un grand combat. Et ce peuple qui arrive ici actuellement ne vient que lui témoigner toute l'affection et tout l'amour possible. Voilà. Là, nous sommes ici avec une grande dame qui n'est plus à présenter, Madame Gisèle Mandaïla, qui est avec nous. Une impression pour cette messe, 2 ans après. Étienne Tshisekedi va finalement rentrer chez lui au pays. Vos impressions? Mes impressions, c'est d'abord que c'est une réussite pour la messe. Et je vois qu'il y a une mobilisation de tous les Congolais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Étienne Tshisekedi, au-delà du fait qu'on soit d'un parti ou d'un autre, d'un mouvement ou d'un autre, ça reste quand même le père de la démocratie. C'est quand même un opposant qui s'est battu pendant 30 ans pour l'avènement de la démocratie. Et en tant que démocrate, je pense qu'il était nécessaire que moi je sois là et que tous les citoyens, les Congolais soient là pour pouvoir saluer la mémoire d'un grand homme. Donc il y a des héros de l'ombre, il y a des héros dans la vie, dans le développement d'un pays. Étienne Tshisekedi fait partie de ces héros parce qu'il a combattu en fait la dictature. Et donc pour ça, il fallait lui rendre hommage. Et je me réjouis de savoir enfin qu'il va rentrer sur la terre de ses ancêtres et reposer enfin en paix. Voilà. En parlant d'Étienne Tshisekedi, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous étiez une panafricaniste. Est-ce que vous avez quand même pu retrouver durant le parcours d'Étienne Tshisekedi ce côté panafricaniste dans son combat? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il a quand même travaillé, il a quand même sillonné différents pays africains pour pouvoir apporter son expérience et essayer de trouver le dialogue avec les personnes avec qui les choses n'allaient pas. Il a quand même fait cela. Et je pense que le panafricanisme africain, c'est aussi le patriotisme. Je ne dirais pas le nationalisme, mais le patriotisme des Africains, donc la libération de l'Afrique. Et donc il a été, par rapport à ça, comme les Thomas Sankara et les autres, donc voilà, c'est quelqu'un qui a donné la fierté aux citoyens de pouvoir se prendre en charge, de devenir autonome. Et donc en cela, je retrouve le panafricanisme dont je me défends. Une chose, est-ce que vous avez un témoignage vivant sur Étienne Tshisekedi? Une anecdote quand même, une anecdote vivante pour essayer un peu de marquer ce qu'il a été vis-à-vis de vous peut-être? Vis-à-vis de moi, non. Je l'ai connu comme tous les Congolais, à travers les médias, à travers le combat. Et ce que je retiens de lui, c'est la dernière phrase qu'il a dite, c'est « il faut se prendre en charge ». C'est vraiment un combat que je mène pour que les Congolais se prennent en charge. Et c'est ça que je retiendrai de lui. Il faut se prendre en charge, il faut devenir autonome. Je travaille à l'autonomisation des femmes congolaises et des femmes africaines. Donc, lui, il a dit, il a été au-delà de cette autonomisation des femmes, mais vraiment l'autonomisation des Congolais. Il faut vraiment que les Congolais se prennent en charge pour sortir de là et sortir en fait du joug des personnes qui veulent en fait quelque part récoloniser l'Afrique. Donc je pense qu'il faut que les Congolais se saisissent de ces messages qui est très fort pour moi. Et donc voilà, l'autonomisation, il faut se prendre en charge. Une dernière question juste avant de se séparer. Le corps d'Étienne Tshisekedi va pas arriver à Kinshasa le 30. Est-ce que vous avez un mot à l'égard du peuple congolais qui attend impatiemment la dépouille de l'illustre personnage? Ce que je demanderai au peuple congolais,
c'est avant tout de respecter ces messieurs. Ce n'est pas seulement leur dépouille, mais c'est vraiment de respecter ces grands hommes qui rentrent au pays, de l'enterrer dignement, comme on le fait en Afrique, d'enterrer la hache de guerre, le temps de l'enterrement et le temps des cérémonies. Et c'est tous les Congolais, que l'on soit Moulouba, que l'on soit Mukongo, Muswahili, de l'Équateur, enfin Mungala, ou quelle que soit la tribu, il faudrait que tout le monde dépose, comme on le fait en Afrique. Nous sommes des enfants qui ont grandi ici, et on nous a toujours dit qu'en période de deuil, il faut tout déposer, et puis après, enterrer la personne dignement, et puis reprendre éventuellement un combat dans la dignité encore, hein, parce que je pense que Étienne Tshisekedi était un démocrate, et donc en tant que démocrate, il faut accepter les divergences d'opinion et tout, mais le temps de l'enterrement, en tout cas, je demanderai aux Congolais d'enterrer l'âge de guerre pour pouvoir l'honorer dignement, comme il se doit dans le pays de nos ancêtres. Merci beaucoup Gisèle Mandaïla. Ok, merci à vous. Au revoir. Un journaliste de la presse congolaise que je vais prendre également. Alors effectivement, ici, présentement, je suis avec Cheikh Fita qui va se présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, je suis Cheikh Fita, journaliste indépendant. Journaliste indépendant. Alors, nous sommes réunis ici pour une messe d'action de grâce en l'honneur d'Étienne Tshisekedi. Vos premières impressions? Bon, il faut dire que, pour paraphraser l'abbé Gilbert qui a fait la messe, qui a dit la messe aujourd'hui, des gens comme Étienne Tshisekedi, on n'en a pas tous les jours. Ils viennent une fois par siècle et c'est le cas. La preuve, cette messe-ci, il n'y a pas eu un battage médiatique. Et juste de bouche à oreille, eh bien, il y a près de 1000 personnes qui sont venues. Il n'y a même plus de place dans l'église. C'est un signe. Et de deux, il faudrait que le peuple congolais soit reconnaissant envers un homme comme celui-ci qui a sacrifié toute sa vie pour les autres. Et la vie est fait des principes et des valeurs. Parmi les grands principes de la vie, il y a la reconnaissance. Quand vous êtes ingrat, soyez sûr qu'un jour cela va vous rattraper. Et le peuple congolais, s'il veut bien décoller maintenant, il doit accueillir comme il se doit le corps de Étienne Tshisekedi quand il va arriver. Il doit lui rendre les honneurs qu'il mérite. Et ce serait en quelque sorte une graine qui va s'aimer pour son bonheur, pour son avenir. Et donc, il y a des peuples qui ont eu des gens comme Étienne Tshisekedi qui n'ont pas été reconnaissants. Eh bien, ils savent ce qui leur est arrivé. Je ne souhaite pas que ce soit le cas pour nous, mais je pense que ce ne sera pas le cas. La preuve aujourd'hui, donc, voilà, il y a des gens qui viennent de toutes parts, ils sont venus très nombreux, et pour rendre hommage à cette icône. Alors pour vous qui êtes un journaliste indépendant, sûrement vous avez suivi également le parcours d'Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous a marqué précisément dans la carrière d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba? Bon, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, c'est un homme de principe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut bâtir aucune vie sans principe. Et d'ailleurs, il a légué à son parti, l'UDPS, des grands principes qui sont la démocratie, l'état des droits, le progrès social. C'est des grands principes et les gens ne les savent pas. Prenez tous les partis politiques congolais aujourd'hui. Il n'y en a aucun où les gens adhèrent pour des principes. Ils adhèrent parce qu'ils connaissent les leaders, mais l'UDP c'est le seul parti où les gens adhèrent pour des principes. Et ces principes-là, c'est ça le combat d'Étienne Tshisekedi et c'est ça sa force. C'est ça la chance de la République démocratique du Congo parce que maintenant qu'il y a eu changement au sommet de l'État, on doit décoller, on va décoller sur base de quoi? Sur base de principes, sur base de valeurs. Et l'actuel président qui est né dedans, je pense qu'il pourra aussi rebondir là-dessus. Et c'est une des choses qui me font penser qu'il pourra réussir parce qu'il est né dans un monde de principes, il les vit, il les applique, il est un peu le représentant de ces principes dans la vie nationale. Maître, vos impressions, 2 ans après, une messe avec tout ce peuple qui arrive ici pour rendre hommage à l'illustre disparu. Donc c'est un moment de grand recueillement autour de la personne du patriarche Étienne Tshisekedi qui s'est battu toute sa vie pour un devenir meilleur pour les Congolais. Nous sommes venus ici lui rendre un dernier hommage
en Belgique. Et c'est un moment de très très grande émotion. Et nous nous commémorons de son combat noble pour l'avènement d'un état de droit et dans un but précis pour le progrès social et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui on peut dire que vraiment s'il y a eu l'avènement d'un état de droit à Kinshasa, Étienne Tshisekedi a bâti un grand travail dans tout ce processus ? Nous pensons que c'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse, c'est son combat qui a produit du fruit. Nous avons eu notre première alternance en République démocratique du Congo. Maintenant, tous les efforts sont à fournir afin réellement que l'état de droit ne reste plus un slogan, mais devienne une réalité pour le meilleur de tous les Congolais. Un dernier mot, maître, pour le peuple congolais qui attend impatiemment le corps d'Étienne Tshisekedi plutôt, j'allais dire. Un dernier mot pour ce peuple qui va se rendre à l'aéroport, qui va rendre un grand hommage à Étienne Tshisekedi. Je pense que ça sera à la fois un moment de grande tristesse et de joie. De grande tristesse parce qu'un grand homme n'est plus, mais par contre de joie parce que le travail qu'il a fourni produit du fruit. D'accord. Merci beaucoup, maître. Biso to lingi président na biso ya mwana moke to bandeko le bakeka bila akende mwana mboka zonga me mwana mboka zongi motema mabe ko finga ko sala boye eleke me biso na kiti bango libanda biso na kiti bango libanda biso na kiti to vangi bango libanda ba orchestre babini babini ti ba lemila bango bango na bango ba bundani esili awoyo. Azali papa moko ya azalaki na bongo, azalaki na mutu. Lelo ndenga toyebo, batu bakanisi ke toyawa, pona koyako tike ibemela, yende mutu aboyaki. Aboyaki omonike abundeli, biso to lelaki lera kufaki kuna. Tolebi papa yoko kendete, ko kendete otike libiso signatir. Me, asali efor, eske mbongo ezangaki ya kukundaye? Atana akabeka mwanga wana balinga bakenda okunda ya atana na balabala me asali efora bundeli biso bitumba lero to sana akiti to sali bien me loko to sengi president na biso Félix message oyo eko me pai na yo to bungi bitumba makasi Félix mama tota la caméra boye Félix batuba yo kayo Félix président de la république. Wazo iliyeba mukole ya premier anniversaire ya liwa ya papa. Ngande mutu na yambaki yona lobike president de la République démocratique du Congo. Wotourne wa yaminga ya zalaki election ya zalaki pete. Eloko moko ya zalaki te. Papa Félix, tobungi mingo za mwana muke. Wazali mutu ya mayele. Parce que za bien éduqué. Bafingi toyoke réponse te. Papa eloko tozo luka ba beto oyo zo che wana. Cheka ka beto papa. Bongisa banzela papa. Bwangisa banzela tala ba orfele tala bana bitika bana yo bazangi biloko akolia tala ba veve tala ba sala ba hopitalo mwini mama yemuko kende na mama yemu Félix bache kulera basala makambu nyoso kende na mama yemu Félix biso zana sima na yoto kolembate mai ezala ba kura ekota papa malembe ba wa bazo seka biso na basera po biso to yebitikite moto azwa kazemi na muko moko mwa azuise milelo aboti mwana atamboli mwana ye mukolote biso na malembe papa biso na malembe to sitokomi. À tous nos frères congolaises et congolais qui sont au pays, voilà, il a fait son travail, il est parti, nous lui disons merci. Merci papa Étienne Tshisekedi pour tout ce que tu as fait. En tout cas, nos frères et sœurs congolais, boyamba papa na ndenge sengeli. Parce que les lots biso se tozo loba boye, c'est parce que y a pesi biso occasion ya koloba. Yende mta sali que les lots peuple congolais azala na démocratie. Boyamba na ndenge sengeli avec tous les honneurs dus à son rang. Merci beaucoup Nancy. Je t'en prie, merci. Batata ba mama awa toza penza na maître Chura Mbemba azala ki lelo awa parmi ba congolais nyonso ba yaki lelo ba yeko zongisa penza hommage ebele maître Chura Mbemba ba impression na yo lelo. Non, impression na ngai zali ke Bible ezoloba Joseph azo sa bandeko na lobi nzamba ko visiter bino
akopesa bino mboka moko yesengo me mukolo boko tana mboka wana bome bibembe pe bikuwa ya bandeko na biso okena ngona mboka wana poza mboko nzamba pesi bino donc c'est pareil lelo oyo Congo est délivré, Congo est commis des gens libres, Congo est commis prospère à travers Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, Batou Nyosu Azali Banda Yamboka a commencé par papa Félix Tshisekedi, Lelo Oyo, et c'est moi même qui ai rapatrié, qui ai lobby pour la Mobutu, lobby pour la Tchombe, lobby pour tout le monde. Mais ma grande tristesse et joie, c'est que je suis venu à Congolais pour répondre massivement. Et je ne m'attendais même pas. Je suis venu à Aza Hero, Moana Hero, et je suis formé dans Lelo. Donc, maître Ponayo Lelo, qu'élevé en rang ya héros, ça vaut la peine. Na lobi ko lever ku tuté, azala déjà héros, mo yango moko héros elingo lo ba muto azala asali eloko moko ya bravure, muto ya pesi idéologie, muto ya asali eloko moko ya lina makasi. Mais ce qu'il a fait déjà dans la vie, bato bazolandanga batata na bango batata na biso musu batika lo sala ngote. Lui il a fait déjà plus, a révolutionné congolais ti Lelo auto comme Lelo boy grâce à ses papas. Donc il mérite d'être plus héros. Bon, à part héros, il y a un monsieur à part héros. Je pense que Zaka est héros. Double fois héros. Alors, maître, pour la bande qu'on a bise au bazo, par Rolanda bise au Kinshasa, bande qu'on a bise au bazo, c'est la penza. Nzoto ya moué na biso na Kinshasa, yo oyebisi bango nini. Nga na zamona Kinshasa, na zamona Nchangu. Bandama ya njili, ti maluku. Nga yu wana na zolo bawa. Bawa yebi, bana bana mike ba yebi. Nde kona bino yeyo lembatable chura mboma. Trois fois champion, diko plusieurs fois champion, mbalebele champion mboko ya France. Alors na lobina bino, massivement, boza la bino nyo sotu na aéroport. Nenga ke zaka bomo mesano. Tango azala ki na bomo iso kwa yebo, zako zala plus que ça. Me leyo loko leza azala su na bomo ite, bole kisa, bole kisa, bole kisa bolingo, boza la ki nango vis-à-vis na ye. Kongole nyo so de tout bord, ya lang nyo so, ya tribu nyo so. Amona na mukolowana ayambakore ya papa. Merci beaucoup maître Chorambema. Alors nous sommes en train de continuer le travail ici. Vous voyez qu'il y a une foule immense, une foule qui sort de la messe parce qu'il y avait une messe tout à l'heure et que l'église était fond en comble, elle était très pleine. Nous allons continuer à